Page 30. Page 30. 30. Page what? 30. 30. On va commencer. Alors, le premier, the first exercise. D'accord? On va écouter un dialogue. We are going to hear a conversation or a dialogue. Et on va choisir quelle est la bonne image. We are going to choose what is the right image, picture. OK? Lara, you're the first one. So, listen carefully. D'accord? Oui. Très bien. Prépare-toi au Delph Prime. S'entraîner pour la compréhension orale. Regarde les dessins. Écoute les dialogues et coche la bonne case. Dialogue 1. Kilima, qu'est-ce que tu manges ? Une pomme. Une poire ? Non, une pomme et aussi des fraises. Qu'est-ce que Kilima mange ? Qu'est-ce que Kilima mange, Lara ? Une pomme. Et quoi d'autre ? Un. Une pomme, c'est tout ? Trois. Quel numéro ? Un, deux ou trois ? Un. Just wait your turn, Rokaya. This is the turn of Lara, okay ? So, Lara. Trois. Pourquoi trois ? Trois. Alors, on va réécouter. Listen again and tell me why it's three or two, okay ? Listen carefully, d'accord ? Ok, d'accord. Okay. Prépare-toi au Delph Prime. S'entraîner pour la compréhension orale. Regarde les dessins. Écoute les dialogues et coche la bonne case. Dialogue 1. Kilima, qu'est-ce que tu manges ? Une pomme. Une poire ? Non, une pomme et aussi des fraises. Qu'est-ce que Kilima mange ? Qu'est-ce que Kilima mange, Lara ? Une pomme et des ? Deux ? Non, ça c'est quoi ça ? Comment on appelle ça ? Qu'est-ce que c'est ? Cherry ? Cerise. Les cerises. Est-ce qu'elle mange des cerises ? Non. Qu'est-ce que c'est ça ? Comment ça s'appelle ? Yes, I know. Oui, Rokaya. Wait, Rokaya. Wait. Let Lara et try to find it. Les fraises, yes. Des fraises. Est-ce que Kilima mange une pomme et des fraises ? Trois. Très bien. Donc, trois. D'accord ? Rokaya, le deuxième. Dialogue 2. Raphaël, tu aimes les mathématiques ? Oui, j'aime les mathématiques. Et la géographie ? Ah non, je n'aime pas la géographie. Qu'est-ce que Raphaël aime ? Quelle est l'image ? Qu'est-ce que Raphaël aime, Rokaya ? Deux. Oui. Très bien. C'est numéro 2. Il aime les mathématiques. Il n'aime pas la géographie. Et qu'est-ce que c'est ça ? Comment on appelle ça, Rokaya ? Les sciences. Les sciences, très bien. Les sciences, très bien. Numéro 3, Lana, tu vas répondre, d'accord ? Tu écoutes ? Dialogue 3. Emma, tu dors ? Mais non, je lis. Tu écris ? Mais non, je lis. Que fait Emma ? Que fait Emma ? Écoute encore. Que fait Emma ? Euh,
Est-ce que tu veux réécouter? Do you want to listen again? Oui. Oui, très bien. On va réécouter. Emma, tu dors? Mais non, je lis. Tu écris? Mais non, je lis. Que fait Emma? Alors, que fait Emma? Emma, je lis. Je lis. Quelle est l'image? Quelle est l'image? Which picture is it? Li means reading, right? Oui. La première image. La première image. Ici. D'accord? Première. Très bien, la première image. La deuxième et le deuxième exercice. On va lire. The second exercise. We're gonna read and we're gonna encircle what is in the list. Lara. Oui. Est-ce que tu peux lire? Est-ce que tu peux lire la liste? What am I supposed to do? You're supposed to read the list. Lis la liste. Lis la liste. Bonjour. Pour dem, mine, elle faut apporter. Apporter. On trousse vous des ciseaux, une gomme, un carré vert. Merci, la maîtresse. Très bien. Je vais relire. I'm gonna read again. For... Bonjour. Oui. Pour demain. Il faut apporter une trousse rouge, des ciseaux, une gomme, un cahier vert. Merci, la maîtresse. Donc, Cédra, quelle est la première chose qu'il faut entourer? What is the first thing we need to encircle? Dixon. Lequel? Des? Où ça? Where are you reading, Cédra? Here? No, in the list. In the list, yes. This is the list. Look, this is the list. Yeah, I am reading. The ciseaux? Read this. The ciseaux. Des ciseaux. Des ciseaux. Très bien, Cédra. Des ciseaux, voilà. First thing we need to encircle, des ciseaux. Très bien. Ensuite, Lara, la deuxième chose, the second, la deuxième. Des ciseaux. Non, des ciseaux, we encircle already ciseaux. What else? Une trousse rouge. Une trousse rouge, très bien. Une trousse rouge, c'est la deuxième. Une trousse rouge, très bien. Rokaya, quelle est la troisième chose? What did you say? La troisième. What else we need to encircle? What you need to encircle in this list? Look, you can read. What is that? Une gomme. Où est la gomme? Où est la gomme? Numéro? Numéro 1. 1. Très bien. Une gomme. Une gomme. On entoure la gomme. We encircle the gum. Une gomme. Alors, Lana. Yes. Lana, le quatrième. Oui. What? Why is there a two pencil case? C'est pas grave, it's not a problem. We don't have any pencil case here. Oh yeah, pencil case, okay, because here it's written trousse rouge. So it's to see if you understood the color. D'accord? Trousse rouge. Un cahier vert. Lana, un cahier vert.
Le cahier vert, numéro combien? The notebook that's green. Lequel? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? Six. Très bien, 6. Donc, voici les 4 affaires que l'on a dans la liste. This is the 4 things we have in the list. La gomme, une trousse rouge, des ciseaux, un cahier vert. Cédra, dis-moi, oui. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un cahier. Oui. La couleur. Jaune. Jaune, très bien. Rokaya, qu'est-ce que c'est ça? This is a black mark. En français? Peut-être blanc, noir. Noir, d'accord. Ça peut être un feutre noir ou un stylo noir. It can be a black marker or it can be a black pen. D'accord? Mm-hmm. Un stylo noir ou un feutre noir. Très bien. Lara, mm-hmm. Qu'est-ce que c'est, ça, Lara? Les crayons. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un feutre ou un stylo? C'est quoi la couleur? Stylo. Stylo. Stylo, couleur. Quelle est la couleur? What is Les rouges. Rouge. Très bien. Lana, qu'est-ce que c'est? Une trousse. Une feutre? Non, une trousse ici. Regarde ça. Une trousse. La couleur bleue. Une trousse bleue. Très bien, la couleur est bleue. Très bien. On passe à l'exercice suivant. We go to the next exercise. Écris le numéro de l'instruction sous le dessin qui correspond. We are going to write the number of the step according to the picture. For example, prends une feuille en carton. Take a paper, okay? A paper, it's number one, this image, okay? Did you understand the exercise? Oui. Vous avez compris? Oui, 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 oui. Très bien. Rokaya, le deuxième. Lis. Deux. Dessine le visage de Lou. Oui. Avec un feutre noir. Dessine le visage du loup avec un feutre noir. Quelle est l'image? 1, 2, 3, 4 ou 5? 5. 5, c'est ça? Dessine? The one with a black marker. 4. 4. D'accord. Donc ici, on va mettre 2. 2. D'accord. 2. Lara. Numéro 3. Numéro 3. Oui. Colorie la langue de le avec un feutre rouge. Colorie la langue du loup avec un feutre rouge. Image numéro combien? 1, 2, 3, 4 ou 5? 3. 3. Très bien. 3. Colorie la langue du loup avec un feutre rouge. Très bien. Cédra. Oui. Numéro 4. Lit numéro 4. Découpe les yeux du loup. À vers 10
des ciseaux. Découpe les yeux du loup. Découpe les yeux du loup avec des ciseaux. Quelle est l'image, Cédra? Numéro combien l'image? 4. 4, ça? Non, ça? Oui. 5. Numéro 5. Oui, c'est 5. D'accord. Découpe les yeux du loup avec les ciseaux. Très bien. Lana. Lana. Oui. Et lis-moi la dernière. Colle la moustache. Moustache de loup avec un tube de colle. Colle la moustache. La moustache. Voilà, c'est ça la moustache ici. Du loup avec un tube de colle. La moustache. Quelle est la moustache du loup? Numéro combien? 1. C'est la première image. 1. Donc, numéro 5. Numéro 5. On colle la moustache du loup. D'accord? Oui? Très bien. Le dernier exercice, the last exercise. On va lire et on va compléter. On va, we are gonna read and we are gonna complete. OK? Donc, Cédra, tu me fais oui. Le premier. Vas-y, lis. Salut. Salut. À l'école, j'ai... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait? Reading. Lis. Je lis. Je lis. Voilà, je lis. À l'école, je lis. D'accord? D'accord. Très bien. Rokaya, le deuxième. Et? Miss. Oui? The first letter is L. Yes, I'm gonna write it in English so you can understand the writing. Okay. Lis. D'accord? Okay. Je lis. Très bien. Ensuite, le deuxième. Rokaya. Rokaya? Oui. Quel est le deuxième? Qu'est-ce qu'il fait? Comment on dit? Miss, I don't understand what you want me to do. You need to see the picture and tell me what he is doing so I can complete the sentence. What he is doing en français? Qu'est-ce qu'il fait? He is writing, but you want me to say it in French. Oui. J'ai écrit. Oui, j'écris. J'écris. D'accord? J'écris. Très bien. Lara. Oui. Commence la deuxième phrase. J'aime. Comment on l'appelle? English. En français. Miss, I know. England. Anglais. Très bien. Miss, it's not with a double. C'est comme ça, anglais. It's like that. We write anglais like that en français. Miss, is that a W? N. It's an N. Oh. OK? Très bien. J'aime l'anglais et je n'aime pas la
Lana, comment on dit ça? Je n'aime pas. Je n'aime pas Alain et géographie. Très bien. La géo. Graphie. La géographie, at the end, it's not Y, it's I-E. Géographie en français. Géographie, d'accord? Oui? Très bien. Tedra. J'aime les, comment on appelle ça? Carottes. Les carottes, très bien. J'aime les carottes. Carottes. Carottes, on met un E, we put ES, we put S at the end because it's more than one, okay? It's two carrots. But if it's only one, we put without the S at the end. D'accord? Carottes. Et je n'aime pas les rocaille, les tomates. Très bien. Je n'aime pas les tomates. Très bien. Et le dernier. Et toi, qu'est-ce que tu t'aideras? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu... Comment on demande à quelqu'un? How do we ask to someone if he likes something? Qu'est-ce que tu... You don't know? Lara? Qu'est-ce que tu... Dis-moi, Lana. M. Bravo, Lana. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? D'accord? D'accord. Donc, je vais vous lire le texte une dernière fois. I'm gonna read it for you next time. Salut à l'école, je lis et j'écris. J'aime l'anglais et je n'aime pas la géographie. J'aime les carottes, je n'aime pas les tomates. Et toi, qu'est-ce que tu aimes? Gros bisous, Jonathan. OK? Did you all understand? Oui? Oui. Très bien. On va ouvrir les devoirs. I'm gonna let you see the homework. Les devoirs sont sur une page à part comme la dernière fois. The homework will be on another page as like last time, okay? The first exercise, you're gonna tell me three hobbies you have. Écris les trois loisirs que tu as, okay? As this is gonna be on the, it's gonna be on the mobile? Yes, it's going to be on the mobile, not on the book, okay? Yeah. The second, we are going to write the name of the sport under each picture. Écris le nom du sport sous chaque image, okay? And that's it, d'accord? D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Do you have any questions? Non. Non, tout va bien. Cédra, ça va? Oui. Lara? Non, non, no questions. Miss, I have a question. Oui, Rokaya. Dis-moi. Tell me, Rokaya. How do we say pink in French? In French. Rose. Pink in French. Rose. Like that. Look. I'd like to see how we write it. Rose. D'accord, Rokaya? Oui? Très bien. Alors, on se voit la semaine prochaine. I'll see you next week, OK? OK. Très bien. Allez, au revoir. Au revoir, Cédra. Au revoir, Lara. Au revoir, Lara. Au revoir. Au revoir, Rokaya.
Au revoir, c'est très... Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.